pense que là, les filles du village, habituées, chacun, cherchent à rejoindre la ville. Le village Fondianti, voici l'environnement de ceux de la chefferie. Fatigué, chacun prendra la peine de grimper la côte. Alors, c'est un échec total. Au revoir, chefferie. Chacun cherche à se retrouver en ville. L'essentiel, c'est d'arriver. Le chef est encore sur Alakan. Pourtant, beaucoup de filles de ce village attendent leur arrestation. Qui doit donc être l'époux du chef? Chacun veut se faire arrêter, mais le choix n'est pas encore désigné par les notables du village. Il y a tous les gens de sortes de belles filles ici, mais qui doit donc retrouver le chef à Alakan? Là maintenant, ce sera la lutte entre les chefs. Chaque chef voudra envoyer sa fille à la chefferie, raison pour laquelle l'épouse n'est pas encore arrêtée. Nous avons toutes sortes de belles filles, chacun veut être aux côtés du roi, mais l'arrêtation n'est pas toujours faite. Tu peux faire les choses, c'est celle-ci. Toutes belles, mais qui doit donc suivre le chef à la camp? Celle-ci peut. Bonsoir, ma misère. Est-ce que vous êtes heureuse de retrouver le chef à la camp? Avec plaisir. Ah, je peux vous arrêter ou je fais venir les notables? Non, pas tout de suite. Et vous, madame? Le deuil est bien passé. C'est bien passé? Très bien. Mais le chef est sur Alakam, que pensez-vous? Oui, c'est mais je vois beaucoup de belles filles, celle-ci est volontaire. Vous pouvez la conduire à Alakam, celle-ci? Non, mais elle est mignonne. Je vais l'arrêter pour l'amener à Alakam là-bas. Ah bon? Oui, je vais l'amener. Bon, ok, ma mère, tu nous suis, parce que tu mérites d'être l'épouse du chef. Oui, tout à l'heure. C'est votre maman, je vois. Maman, vous êtes heureuse si votre fille est l'épouse? Alakam, bien sûr, je suis très heureuse. Voilà. On aimerait que ça produise. Oui. Le trône, c'est quand même une place majestive. Okay. Et je voulais que ma fille prenne cette place. Voilà. Bon, il faut négocier beaucoup. Passons par moi. D'accord. Non, okay. C'est moi le mari. Le mari de la femme. Ouais. Et c'est votre fille ici. Oui. Bon, vous êtes heureux si votre fille est. Et la femme de Canada. Non, du chef à la camp. Oui. Mais le chef est là, ça, là, quand que pensez-vous? Ah bon? Bon, votre fille, assez, vous refusez? Mais là, je sais où vous retrouvez. C'est un problème de négociation, ça va se passer. Okay. Malheureusement, on ne rentre pas dans la chefferie avec le sac plein. C'est pourquoi les notables, tous ceux qui sont arrivés ici, chacun a le sac qui balance. Le foufou balance le sac. Les matériels coutumiers, les coups. Là, le village est actuellement. C'est très beau le visage. Je suis en train de rentrer à pied. La galère. Ah bon? Ça va-tu? Les deux filles rentrent comme ça là. Le chef est toujours ça. Les dernières filles, on doit les arrêter. Eh, monsieur Canadé. Oui. Je crois que le village est quand même très bon. On est à l'aise. Ah bon? Très bien, allez chez moi, Banti. Ah bon? Gentil. Un fond gentil. Ok, c'est bon. Bon, on se voit, papa. Ouais, au revoir. D'accord, merci. Chef? Vous négociez, vous donnez votre fille au chef? Parce que j'ai appris que... Un repas que sur là. Ah, pardon? Sur le laisse, non. Alors, les grands notables du village satisfaits de cette cérémonie de l'introduction du nouveau roi des Fondianti. Nos femmes ont une mingoumine de feu. Ok, à bon, à la chacun rejoint le chemin de son domicile, malgré le poids de l'âge et le poids des matériels traditionnels. De fondion, mon quoi? Alors, les voitures sont bloquées. C'est dû à la forte pente qui est ici. Fondianti et Fondianti, c'est la même chose. Ils ont les mêmes routes. Donc, c'est la route de Fondianti, mon frère. De retour, le chemin de Calvaire. Fondianti, c'est Fondianti, mon frère. C'est pas pour confondre les gens. Fondianti, mange. C'est chez mon papa, tout ça. Tout le monde. C'est chez mon papa. C'est la joie, mon frère. C'est la joie, oui. Des centaines de vécus. Ok.
Oh mon dame, faut tu l'avoir. Oh, Canada, au secours! Au secours! Aidez-nous! Au secours, aidez-nous! Le beau paysage du village Fondanti, une grande découverte par notre caméra de Canada International qui a pris le courage d'arriver jusqu'à la chefferie Fondanti pour couvrir l'intronisation du nouveau roi. Fatigué, une colline de cavet d'une distance d'environ 5 km donne la peine à nos parents qui rejoignent leur domicile. Thank you.